Bonjour à tous, on se retrouve sur Football Manager 2018 pour vous faire le petit récapitulatif parce que j'ai fini ma saison avec le FC Nantes. C'est pas trop mal passé, hein, faut être franc. Je pensais que c'était pire parce que j'ai frôlé vraiment pendant un bon moment la relégation, mais j'ai réussi à m'en sortir. Je vais aller sur le calendrier pour vous montrer un petit peu ça. Donc voilà. Donc c'était très bien parti jusqu'à mi-saison. Hein, j'ai eu pas mal de petits moments difficiles, on va dire, mais ça a été. Après mi-saison, j'ai changé de tactique. Hein. Au début, j'étais parti sur. Attendez, voici. Voilà, donc première partie de saison, j'ai joué en tactique. Tac, tac, tac. J'ai joué, ça c'était ma deuxième partie. Alors première partie, j'ai joué, alors, j'étais en formation en 4-1, 2, 3, MD, je larve. Ça allait pas trop mal, hein, jusqu'à un moment donné, c'est parti en cacahuète. Je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi, parce que j'ai eu Salah qui a été blessé à ce moment-là. Et du coup, bah... Ça a été, j'ai pas marqué, c'était très dur, hein, très très compliqué. Donc voilà. J'ai aussi Valentin Rongier qui a été blessé à un moment donné. Alors c'est la période où j'ai eu le plus de difficultés. Bah, cette période-là, là, où j'ai eu mes 4 défaites à suivre, là, ça a été compliqué. Hein. Après ils sont revenus, donc ouais, hein, victoire, 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 victoire. Voilà. Bon, bah, j'ai été éliminé au quatrième tour de la Coupe de la Ligue par Paris, hein, bon, logique. Sinon, en Coupe de France, j'ai réussi à aller, pour faire le petit bilan, j'ai réussi à aller jusqu'en demi-finale, où j'ai perdu contre l'AS Monaco 6-2. Hein, j'ai pris une vraie pilule. Hein. Je crois qu'il voulait y aller en finale. Sinon, en quart de finale, j'étais retombé contre le Paris Saint-Germain et j'avais changé de tactique. J'étais parti en tactique. Alors, que je vous remonte ça. En 4-1, 4-1, MD. Hein, mais plutôt défensif avec positionnement souple. Après, tac. Avec. Voilà. Un peu large. Pressing très haut, hein, moi j'adore ça. Et relance bah, sur les côtés. Je voulais attendre le dédoublement. Et voilà, c'était vraiment pour partie vraiment défensif. Hein. Même mes joueurs, les avaient me donné la consigne de vraiment défendre. Hein. Et ça a pas trop mal marché contre Paris parce que j'ai réussi à les battre au tir au but. Voilà, en quart de finale. Ça a été long, hein. J'étais content. J'étais très très satisfait. Et en championnat, bah après, ouais, hein, ça s'est pas trop mal goupillé, il y a eu une mauvaise passe. Deuxième saison, voilà, il y a pas mal de victoires. Hein. Donc on était pas mal. Et j'ai fini 14e du championnat. Donc je suis rentré dans les clous des dirigeants, qui m'ont pas viré, c'est déjà pas mal. Et qui m'ont reconduit pour la saison d'après, là, pour la prochaine saison. Le bilan, pour faire vraiment le point sur le bilan, la saison, ma première saison d'ailleurs sur ce jeu, et c'est avec le FC Nantes, bah, c'est que c'était pas trop mal. Je suis rentré dans les demandes du staff, quoi. À retenir, ma première saison avec le FC Nantes en tactique. Donc j'ai choisi deux tactiques, hein, le 4-1-4-1, MD, qui est très bien. Et sinon l'autre c'était le 4-1-2-3 MD je large. C'était pas trop mal. Voilà. Donc si un jour vous jouez avec le FC Nantes sur ce jeu, bah, vous pouvez essayer ces tactiques. C'est pas trop mal. Il y a des petits réglages à faire. Hein. Je vous laisserai découvrir ça. Mais franchement, il y a moyen d'arriver à faire des bons petits trucs avec. Ou peut-être que je ferai pas la saison d'après. Je vais peut-être repartir de zéro. Maintenant que je sais que ces deux tactiques marchent pas trop mal, peut-être de vraiment les mettre dès le départ et voir que ça peut donner. En essayant de faire mieux que la 14e place. Je verrai, je vais voir. Je sais pas encore si je vais continuer l'autre saison ou si je vais refaire une saison avec ce qu'il y avait déjà
Et voilà. Donc voilà. Donc si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Merci à vous.